Alors salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Gun Air Fishing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une présentation de leurre. Et aujourd'hui je vais vous présenter le Spintail Shad de chez Daiwa. Donc ce leurre est un très bon leurre type Divinator ou encore Kikias Minnow. C'est un leurre à palette donc hybride avec un corps de shad, comme ça. Vraiment très bien fini d'ailleurs. Sur une palette montée sur un émerillon, reliée à une ligature acier qui va à l'intérieur, reliée aux hameçons, donc le trip là. Le trip est de très bonne qualité comme l'hameçon. Nous pouvons le rentrer à l'intérieur du leurre, comme ça, ou le laisser sortir. Ils sont vraiment très piquants, il n'y a pas de souci pour ça. L'attache leurre se situe au niveau au-dessus de la tête, un peu comme un lipless, comme un divinator. Les yeux sont vraiment bien faits. Là, c'est le coloris, il me semble, ablette. L'émerillon est vraiment de qualité, ce qui fait que la palette tombe vraiment extrêmement bien dans l'eau. Elle s'anime surtout à la descente, faut dire. Alors, pour des pêches en traction sur des grands lacs alpins, comme dans ma région, le lac Léman, le lac d'Annecy, voire le lac du Bourget un peu plus loin. Mais même un petit lac, on peut l'utiliser, mais c'est moins bien, car vu son fort poids pour sa taille, donc de 46 grammes pour 12 cm, ça nous empêche un petit peu de pêcher dans des endroits peu profonds. Donc les 46 grammes, je vous conseille une canne qui monte vraiment au-dessus, parce que sinon si elle galérer à le lancer, ce sera vraiment galère. Sinon, la palette par contre tire vraiment plus qu'un divinator sur la canne, c'est un peu embêtant. Moi je l'animerai plus en traction, vraiment qu'en linéaire. On peut très bien l'utiliser en linéaire, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins cool. Tout ce qui est prix, ça sera en fin de vidéo, là où vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas de souci pour ça. Puis sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Bonne année 2007 encore une fois, même si je l'ai dit dans la dernière vidéo. Sinon, likez, commentez, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, ça serait vraiment génial. Sur ce, ciao !